La base de ouf, déjà. Ok, attends, juste je regarde le trailer de Planète des Singes. Mais je crois qu'il y avait déjà un trailer qui était sorti sur ce film, non? L'homme noir du Kukuxland. Doflamingo Kukuxland, wesh. Tu connais le concept d'évolution? Wesh. Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. Noah. Ok, attends, là il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a écrit sur le cœur dans le chat. Melchior, pourquoi une meuf peut agir comme si elle était en flirt pendant 2 mois pour au final dire qu'elle est pas sûre de ce qu'elle veut et qu'elle veut pas te perdre? Alors je vais t'expliquer, c'est une salope. Voilà, moi je dis les termes. C'est une salope qui a, en gros, qui se nourrit de ton. De ce que tu lui apportes, ça veut dire un sentiment de. Du fait que. Attends, comment je voudrais écrire? Un sentiment qu'en fait, elle est désirée, mais en fait, elle ne veut pas toi. En gros, elle aime les attentions que tu lui portes, elle aime que tu lui envoies des messages, elle aime que tu la complimentes, elle aime même limite que tu la dates, etc. Mais c'est tout. En gros, elle prend, elle aspire ton âme, elle prend chaque petit truc, mais en fait, toi, tu veux que ça soit réciproque, toi aussi. C'est logique. Normalement, c'est le but d'une relation, c'est ça vient d'un côté, ça vient de l'autre. Mais en fait, elle te donne pas ça. Donc toi, si t'as une dignité, t'es un homme, bah, elle t'a clairement dit qu'elle savait pas ce qu'elle voulait. En général, quelqu'un que t'aimes bien, mets-toi, par exemple, à ta place dans l'autre sens. Si toi, par exemple, une meuf te kiffe et tu lui dis, ouais, je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce que je veux et tout avec toi, c'est une manière gentille, c'est une manière de dire que je veux pas de toi, en gros. Genre, soit tu veux pas. Il n'y a pas de. Ah, je sais pas trop et tout. Donc, mon gars, barre-toi. Voilà, c'est bon. Lâche ça. Pouvait voler comme les aigles. Bye. Il pouvait se parler par-delà les océans. Wesh. Mais aujourd'hui. Il y a un singe qui baise avec une humaine. Et c'est. Mon royaume. Nous apprendrons. Les singes apprendront et moi j'apprendrai. Je vais conquérir le monde. Selon la légende, les singes et les humains ont vécu côte à côte. Aussi improbable que ça puisse paraître. Pourquoi il la traque? Il est où, César? Elle est plus intelligente que la plupart d'entre eux. Les anciens ne nous ont pas tout dit sur ce monde. Prosterne-toi devant ton roi. Les singes traquent les humains. Ce n'est pas juste. Ça BDH, quoi. C'est vraiment littéralement un BDH, un bandeur d'humains. Merci Kenny pour le sub. Ensemble, vous mourrez. Non. Tout ça pour une humaine, hein. Ensemble, nous serons plus. C'est le fils de César? Ouais, je sais que c'est 60 ans après le film. Ah, c'est pour ça qu'il aime les humains. Parce que c'est le fils de César. Ou petit-fils, ouais. Du coup, en mode... Ok.